deux blocs. Donc vous le voyez, les étudiants grimpent sans cordes. Les meilleurs de cette compétition d'aujourd'hui seront qualifiés pour aller au championnat de France. Il y a de tous niveaux, vraiment. Il y en a qui débutent, qui découvrent l'escalade lors de nos cours et qui deviennent après accros à cette pratique et finalement qui progressent énormément. Et on a même trois étudiants l'an dernier qui sont partis à un championnat international universitaire en Pologne. Ils ont fait premier en équipe. J'avais fait l'escalade, c'est Elsa, ma directrice, qui m'a proposé de venir. Et maintenant, c'est la première fois dans ma vie que j'ai fait l'escalade. J'ai beaucoup d'adrénaline maintenant. Je suis un peu nerveuse parce que c'est dur, je ne suis pas forte, mais petit à petit, j'y arrive. Une voie de compétition, on part d'une idée, d'un mouvement qu'on a envie de faire, on l'adapte à nos grimpeurs, soit les mettre en difficulté et qu'ils aient du mal à le faire, soit les amener assez facilement, selon le curseur de difficulté qu'on veut. On propose ça et puis bah, que le meilleur gagne, quoi. C'était très bien, c'est toujours cool et puis là il y a Yot qui fait premier, c'est mon copain alors l'année dernière j'avais fait une bonne place en France aussi, donc là je suis contente, ça me met dans des bonnes conditions pour les France. C'était cool, bonne ambiance avec les copains et c'était bien. C'est une bonne chose pour terminer la saison de bloc et puis après je vais essayer de m'entraîner pour la deuxième étape de difficulté du coup avec les compétitions universitaires.